On voit quelques résultats qui étaient gagnés dans le cadre de la troisième journée. Ça, dans la zone noire, il y a l'équipe AS Erlan qui était fait un goal partout face à l'équipe Éclair de Gonaïves Lan. L'équipe AS de Saline Nantes a battu la formation Verretlan 2 goals à 0. AS Timonade a battu l'équipe ASSL Lan 1 goal à 0. 0-0 entre Roulado de la Gona face à l'équipe Pantin Noir de Lyon Courant. Gagné équipe Intergangouave Lan dans la zone sud qui était battu l'équipe Diforlan 2 goals à 1. L'équipe AS Akin lui-même a battu l'équipe à Roulado sous Smatla par 1 goal à 0. Donc, dans zone nord, dans le groupe des champions, c'est quelques résultats. Eh bien, gagné dans le groupe à Ouléga Blanc, équipe Ascarland, et même si tombé 0-1 face à l'équipe Éclair de Petit Guavlan, équipe US Freeland, qui bat amateur de Cité Soleil par 2 goals à 1, équipe Paloma de Calan, qui tombé 2 goals à 0 face à la relève de Jérémy. Comment ça va aller là dans le cadre de la quatrième journée? Eh bien, programmation pour la quatrième journée à Cap Jeu Weekend. Ça, l'équipe ASSL dans la zone nord, Cap Jeu contre l'équipe AS de Saline. Formation AS Veretlan, Cap Jeu contre l'équipe AS Erlan. Pour aller gagner Éclair de Gonaïves, Cap Jeu contre le Roulado de la Gonave, c'est pour aller une belle affiche. Pour aller gagner Pantin Noir de Liancourt, Cap Jeu contre l'AS Limonade. Formation dans la zone sud, pour aller gagner Dufort, Cap Jeu contre Juventus de Caille. L'équipe AS Petit Guavlan, Cap Jeu contre AZA, Association Sportive Aquinoise. Pour aller gagner Roulado sous Smatla, Cap Jeu contre la Police Nationale d'Haïti. Et pour aller gagner Club haïtien qui a joué contre l'équipe Inter de Gangouavlan dans le cadre du championnat national de deuxième division 1. Dans la zone nord, pour aller gagner Triomphe de Liancourt qui a joué contre Dynamite de Saint-Maur. Équipe AS Listé a joué contre Vision de Henche. Vision de Henche pour que j'aime jouer dans le championnat. Pour aller gagner Racine Gaumont qui a joué face à l'équipe AS Maïs Adlan. Et Amateur a joué contre Paloma de Caille. Pour aller gagner équipe à la relève de Jérémy qui a joué contre Ascar dans la zone à Ouléga Blanc. Pour aller gagner Éclair de Petit Gouave qui a joué contre Rangers de Miragouane. Pour aller gagner Catherine Flon de la Caille qui a joué contre l'US Frère dans le cadre championnat national de deuxième division. On a quitté le championnat national de deuxième division pour nous parler de championnat national de première division. Calendrier 6e journée playoff là qui a joué week-end ça. Dans dimanche, dans l'un des Gabions, América de Cali a joué contre la formation du Tempête Football Club. Tempête qui s'est perdu là 3 points face à l'équipe Valencia puisque tu as gagné des ordres dans le parc Levelt. Gagné Baltimore lui-même qui a joué contre la formation de l'Aiglona du Bélair qui était sur une victoire 3 goals à 0. Équipe Valencia Lugana lui-même a joué contre équipe Fika du Cap Haïtien dans groupe des champions, dans groupe Ouléga Blanc, Cavalli de Léogan a joué contre l'ASC du Cap Haïtien, Victory a joué contre Don Bosco, ASME au Balai a joué contre équipe Violette Atlético Leblanc. Donc c'est programmation 6e journée championnat national de première division. Bon, la caille monsieur Yo qui avance sérieusement là. Mais on a rappelé qu'il y a une sanction qui tombait sous deux équipes Tempête qui devait faire des ordres face à l'équipe Valencia Lugana dans le cadre de la cinquième journée playoff. Tempête qui perd du match par 3 goals à 0. Valencia en revanche a bénéficié 3 points. Ça. Donc, dirigeant Coconyo qui mandait l'équipe Tempête là pour jouer le prochain match Lio, soit dans le parc Saint-Louis de Mai au Ballet ou bien dans stade Silvio Cator. Donc ça a qui était provoqué une manifestation hier dans journée jeudi dans ville Saint-Marc dans cité Nissa Sagea côté que fanatique Baltimore fanatique Tempête te mettait tête ensemble pour être capable de contester décision ça commission d'organisation des compétitions nationales Cocon lui-même fait sortir. Eh bien, gagné dans le groupe Ouléga Blanc, équipe ASC du Cap Haïtien, lui-même qui a connu un moment difficile dans le championnat. Jemedi Jean-Baptiste, lui-même qui s'est délégué équipe ASC, en fait qu'on est. Il pourra le dégager pour mettre Jean-Jacques là pour faire un bon match face à l'équipe Cavalier. Donc, c'est pour un match très décisif pour l'équipe ASC. On a rappelé, gagné deux joueurs qui ont même sous sanction là, puisque tu as gagné des ordres dans le match aller. ASC a gagné pour payer tout 50 000 goudes à la commission d'organisation des compétitions nationales. On a parlé donc de Cocon. J'ai médi Jean-Baptiste, délégué à l'équipe ASEAN, qui te répond à une question Radio Télé-Guinéenne. Suivre. Football, c'est trois balles, c'est gagné, perdu ou bien nul. Donc, dans le dernier match ASEAN, match relégué, ASEAN a joué avec Cavalli. Donc, on connaît Abit Lali, même, tu as maltraité ASEAN pile avec Jijon. C'est dans le contexte, on connaît Fatigue Lali, mais il y a une émotion sur lui. Donc, il continue à réagir avec spontanéité. C'est dans l'optique ça vient de trois fanatiques qui étaient contingent frappé à but là ben Isao dans le contexte ça compte pour une décision dans décision tu prends tu fais c'est souffri pour en vaincre décision de sortir c'est qu'on y a aussi décision que dit Alex Regis gardien il a dit goalkeeper
lui-même il y a trois matchs pour jouer avec Michael. Donc là ça a commandé nous 50 groupes pour ICP. Donc dans ce sens ça nous perd plusieurs matchs parce que nous pas un gardien. Nous avons des goals qui nous battent. Ensuite, le gardien officiel lui-même, si pas par lui-même, c'est un problème, Donc c'est ça qui fait nous avons un plus problème, c'est que nous avons 4 goals devant De Bosco, qui a été goal qui vraiment, je ne peux pas expliquer goal ça. Face à Victoria, qu'on nous perd très mal. Donc je crois que nous avons trouvé Alex Regis dans le prochain match. Équipe ASEAN et qui trouvait leur dernière position, donc il n'a pas fait partie de groupe équipe capable champion. C'est sûr que ASEK descend. Qui nouvelle disposition que dirigeant équipe ASEAN pourra mettre en place pour que vous capable remédier à la situation? Donc, nous mettons plusieurs mécanismes sous pied de manière que ASEK essaie de répondre à Fanatica ASEAN. Fanatica pour avoir capté nos décisions, capté nous sommes capables de dire. Dans ce match qui était pour ASEK capable de trouver ASEK data, parce que ASEK n'a pas droit à l'erreur, automatiquement ASEK a dit match qu'on est là, ASEK a dans la deuxième division. Donc on a fait tout effort sur la deuxième raison, nous prenons, nous sommes avec Saint-Prix, nous sommes juste en Asie, nous en Haïti, nous avons un petit tour qui a place avec nous, nous avons un paquet de l'autre joueur qui a porté un paquet de coupe pour ASEK capable de sortir côté d'hier. Donc vous promettez l'année prochaine qu'à venir, on a toujours une équipe ASC en première division. Qu'on le verra ou non, prochain match c'est face à Cavalli. C'est un match qui a démarré ASC, qui a débloqué ASC pour ASC à gagner 5 matchs pour ASC qui a été dans la première division. Voilà, c'était Jemedi Jean-Baptiste, délégué équipe ASC du Cap-Haïtien qui a rendez-vous face à l'équipe Cavalli de Léogane.